Maëlys, à un moment que j'ai pris l'église de saluer et d'acclamer pour elle très fort. Parce que c'est une bonne maman. Alléluia. Voilà, je demandais qu'on acclame parce qu'elle a accouché un grand homme de Dieu, un grand éléphant de l'évangile. Et il a encore beaucoup de choses à accomplir dans cette ville et dans d'autres cieux. Amen. Je crois que j'ai une seule parole pour celui qui me prête ses oreilles. Je voudrais dire à quelqu'un que la plus grande chose que Dieu n'a jamais faite est la première phrase, le premier mot de la Bible. Ça parle du temps. J'ai retiré de cela une chose que je vais te dire. Il y a une sorcellerie qui dépasse tout ce dont tu connais dans les temps. Quelqu'un m'écoute et dit Amen. Amen. Il y a une puissante sorcellerie dans les temps. Je te donne un exemple. Si tu as un manguier dans ta parcelle ou dans ton quartier ou dans ton voisinage, lorsque la saison de mangue commence à arriver, il arrive que la petite mangue, le petit fruit sort. Lorsque ce n'est pas encore mûr, tu passes sans regarder. N'importe qui passe sans regarder. On ne s'attarde pas sur cela. Mais après quelques jours, après un petit temps seulement, cette même mangue qu'on passait sans regarder commence à mûrir. Dis avec moi, commence à mûrir. Quelques temps ont suffi pour que cette mangue qu'on ne regardait pas commence à mûrir. Et les gens qui ne regardaient pas vont s'arrêter un jour pour cueillir cette mangue. Ce qui n'avait pas d'importance prend de l'importance avec le temps. Ce qui ne valait rien, ce qui ne servait rien, ce qui était nulle part devient quelque chose qu'on cherche, devient quelque chose qu'on se rapproche, devient quelque chose qui stoppe le temps des autres, même s'ils couraient comment à cause du temps. C'est pour cela que je voudrais annoncer à quelqu'un dans cette église, avec tout ce que Dieu est en train de faire dans cette église, avec tout ce que vous pouvez traverser. Pour mettre fin à la guerre, Josué avait dit que la lune arrête sa course. Je crois qu'en faveur d'une personne qui est en train de pleurer dans cette salle, en faveur d'une personne qui attend quelque chose de spécial de la part de Dieu, la lune est en train de s'arrêter au nom de Jésus. Le Seigneur dit que la lune devait arrêter sa course pour que Josué puisse tirer vengeance de ses ennemis. Je vois le soleil arrêter sa course pour que toi, tu puisses tirer vengeance de tes ennemis. Et là où tu n'étais pas considéré, tu seras considéré dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques heures. Parce qu'il y a un grand mystère dans le temps. La Bible dit au commencement, même avant que Dieu lui ne parle, c'est le commencement d'abord qu'on a cité. On a parlé d'abord du temps avant de parler de Dieu. Mais dans quelques temps, tu ne seras plus ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour cela que je t'encourage d'aller te faire filmer, d'aller prendre des images de ton image de maintenant. Car dans quelques jours, dans quelques temps, on va pas te reconnaître. On va pas te voir. Dieu va faire de toi ce qui va surprendre. Alléluia. Amen. Avant qu'une grande vision ne naisse, les aigles se réunissent quelque part. La Bible dit avant de créer l'homme, Dieu a appelé son conseil. Ils se sont assis, ils ont pensé comment l'homme devait être. Après, il a dit, allons, faisons l'homme à notre image. Les aigles sont en train de se rassembler dans les secrets et ils préparent au Cameroun, ils préparent à Yaoundé quelque chose de jamais vu. Alléluia. Quelque chose du jamais vu. Dis à ton voisin quelque chose du jamais vu. Dans peu de temps, même ta propre vie, toi qui écoutes cette annonce aujourd'hui, et la vie de beaucoup de gens qui sont encore païens, qui sont encore dans la rose croix, qui sont encore tes ennemis, leur vie sera une surprise demain. Bien-aimé, tu es une mangue. Laisse que les gens passent à côté sans te regarder. Laisse que les gens te méprisent. Laisse que les gens racontent des choses sur toi. S'ils peuvent te filmer aujourd'hui, ils seront étonnés de ce que tu seras demain. Bien-aimé, ton histoire. Oh yes. Il se prépare dans le secret quelque chose qui va te surprendre et qui va surprendre tes ennemis. Ce qui est sûr, bien-aimé, ta destinée est une surprise pour toi-même et pour tes ennemis. Personne ne connaît ton lendemain. Personne ne connaît de ce qui est fait ton lendemain. Ce que tu seras
reconnais. Même pas toi-même, même pas ton ennemi, même pas ta mère, même pas ton père. Personne de ceux qui sont en train de parler de toi ne connaît ce qui est fait dans la demain. Ah. Ils ne connaissent pas. Et vous savez, dans la plupart des temps, les gens insultent parce qu'ils ignorent. Les gens mal parlent parce qu'ils ignorent. Les gens combattent ceux qui s'ignorent. Vous savez, la taille de la bête qui s'asseyait devant le temple, peut-être c'était très élancé. Mais parce qu'il était assis, ceux qui passaient lui jetaient 25 le méprisaient. Toi aussi pauvre, prends 25, misérable, prends 25, ainsi de suite. Mais le jour où Pierre lui a donné Jésus, le jour où cet homme a reçu Jésus, les gens qui se croyaient plus élancés que lui, les gens qui lui disaient n'importe quoi, quand il a commencé à s'élever, quand il a commencé à se mettre debout, ceux qui le méprisaient croyaient qu'il était au-dessus. Ils l'ont vu bondir et sauter et il a retenu l'attention de ceux qui le passaient à côté. Alléluia. J'aimerais dire une parole à quelqu'un. Le Seigneur me met à cœur de te dire quelque chose. Vous savez, l'éléphant, ce n'est pas parce qu'il est éléphanteau qu'il n'est pas éléphant. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. L'éléphanteau a toutes les qualités d'un éléphant en lui. Amen. Et ce n'est que quelque chose de temps. Les arbres qui sont plus élancés, les hippopotames, les lions rois de la forêt qui sont là, robustes, devant l'éléphanteau, ils peuvent dire tu es petit, tu es rien. Mais donnez un peu de temps à cet éléphanteau. Dans quelques années, cet éléphanteau va peser 8 tonnes. Dans quelques années, cet éléphanteau va faire tomber les arbres qui étaient devant lui. Dans quelques années, il va développer en lui des choses. Mais quand tu donnes quelques années dans le Seigneur, que tes ennemis te donnent seulement quelques jours à suivre Jésus, de cette vie-là sortira ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on n'a pas encore entendu. De ta vie, la bien-aimée, ils se sont mariés, mais leur mariage n'était rien. Ta part qui s'annonce, ça a été le bras posé sur la terre. Ils ont réussi et ils ont travaillé, mais l'argent de travail, on n'en a pas parlé. Mais ta nomination, les journaux vont écrire.